Sup, sup. J'en ai profité pour pisser un coup. Ouais, c'est Nintendo qui m'appelait, en fait, ils sont pas contents parce que j'ai donné un défaut sur leur jeu. Il y a la mafia Nintendo qui arrive là pour mon cul. Tu sais que j'avais jamais été dans l'onglet de mission annexe. Oh, toutes les quêtes annexes qu'on a fini, mais regardez-moi ça, mais... Le tryharder. En tout cas, vous avez pu apprécier cette fabuleuse musique qui est là depuis Pikmin 1. Mais non, Cloud, il faut pas le dire, ça, putain, que je suis pas le vrai Seven, arrête. Arrête. Mais non. Ok, le fleuriste est content. Quoi? J'ai pas compris. C'est cool la blague, mais je rappelle de la vidéo de Dark Souls 2 où il dit qu'il a une chaîne YouTube. Quoi? On parle de la chaîne VOD? Je suis parti 3 minutes, je suis perdu. Ouais, Pikmin 4, elles sont en répertorié, ouais. Mais je crois que la deuxième vidéo de Pikmin 4 est arrivée aujourd'hui, d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises. Alors, on a un mec là-bas. Ça, c'est le mec des grottes, ça. En tout cas, j'aime beaucoup, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Je savais d'avance qu'il foirait pas avec un nouveau Pikmin. Ça aurait été compliqué. Les trois précédents étant très cool. Donc c'est fort sympathique. Pas le jeu de l'année non plus, hein, mais franchement, très très cool. Voilà. Ah, tu mets petite gestion, petite stratégie sympathique, bien pensée, avec un dogo et des petites plantes, des petites fourmis. Ça me plaît plus que Bahamut dans l'espace et tout le bordel. Que j'ai beaucoup aimé, cela dit, hein, mais bon, tu vois, comme quoi, pas besoin d'en faire beaucoup pour te faire kiffer. Ça reste deux jeux différents, mais bon. Je m'amuse plus sur Pikmin. Disons que t'es pas coupé par 36 000 dialogues toutes les 5 minutes. La chaîne de VOD est un régal. Moi, ça me fait du bien cette chaîne parce que je fais n'importe quoi dessus. Enfin, je fais n'importe quoi. Je chapitre quand même bien mes vidéos proprement. Mais là, ce matin, j'ai fait une miniature, mais dégueulasse. Vous vous rappelez hier quand je vous ai dit que je pourrais faire un truc putaclic? Avec la grotte sur laquelle il y avait une théorie sur le fameux meurtre d'un bébé et tout dans Pikmin. Bon, ceux qui étaient là comprendront. Et ben, j'ai fait une miniature dégueulasse avec un mec choqué, une flèche rouge et un cercle rouge. Ah, ça fait du bien de faire des petites miniatures dégueulasses comme ça, la putaclic. Ça fait du bien d'embrasser le même. Ouais, je pense que je referai TOTK en stream. Comme je disais la dernière fois, je ferai comme Breath of the Wild. La première run aura été en off, et je pense que je referai le jeu en live un jour. Ça m'avait fait du bien de refaire Breath of the Wild en live, j'avais bien aimé. Et Pikmin Rock, je pense qu'ils vont faire mal à ce mec. Ouais, quand même. Hein. Quand même. Les gars? Oui, merci. Je suis pas parti, je suis perdu. Ah mais y'a que le chien qui peut interagir avec ça. Prédiction du ou des gothis.
Ah bah je pense qu'on est tous à peu près d'accord. Dans les nominés, en tout cas dans les nominés, je sais pas qui sera GOTY. Pour moi ça va se jouer entre Zelda et Starfield, je pense. Mais dans les nominés on aura sûrement Hogwarts Legacy. Même si j'espère que ça va pas du tout être lui le GOTY, sinon ça va m'inquiéter. Parce qu'il est générique as fuck. Probablement Spider-Man 2. Starfield, Zelda. Peut-être FF16. Et puis voilà. Putain, mais attends, mais moi j'ai plus de Pikmin du coup, je suis à poil. T'es sérieux? Tout ça pour cette merde? Ça pour des fruits à la con. On sait quoi? C'est quoi? Joue intelligemment. Voilà. Ces 5 là. Fais voir s'ils reviennent quand ils déposent les cerises. Ouais, ils reviennent. Ok, bon, écoutez, on va laisser ces 5 Pikmin jaunes faire des allers-retours tout au long de la run là. Jean-Raoul, couche ton cul. On est où là? Bon, faut qu'on trouve le moyen de monter, hein, il y a un trésor. Alors, je connais, c'est le bruit des hélices du Moria, dans Wind Waker. Oh putain, la ref. Ah, ça on aime bien ça, un petit trésor là. La thune! Y a pas d'ennemis sur la route là? Si, y a des ennemis là sur la route. Oh, y a une bombe! Une mine! Je peux la prendre? Ah non, je peux pas. Oh non, 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 non. Oh non. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est complètement malade. Ah c'est ça, casse-toi ouais. Il revient plus hein. Ah ouais, ça vole la boque de mariage, ouais, ouais, on aime bien la thune nous. Ah ouais. Il est méchant, il est pas gentil. Waouh. Waouh. C'est l'abri blindé. Bah, il faut un jaune, un bleu et un rouge, non? Oh! Alors, pourquoi le 4 s'est dévoilé en bas à droite, là? Enfin, en haut à droite, pardon. Si je le bouge, ça va changer quelque chose. Ok, je verrai ça plus tard. Est-ce que je peux slide là-dessus? Il descend où ce truc là? Si, il y a une carte. C'est ce que je disais tout à l'heure, la zone a l'air assez immense. Ah oui, il faut aller tout là-bas et passer par là pour avoir le trésor. Ah ouais. Ok, d'accord. Bon. Ok, là-bas, il y a le dogo.
Ah, ça marche pas. Ah si, ça marche. Comme dans le tuto. Ah! Holy shit. Ok. Cet ennemi, il était dans le 1. Je crois qu'il faut qu'il aspire un Pikmin, non? Ouais, c'est ça. Faut qu'il aspire un Pikmin, c'est ce qui me semblait. Et merde. C'était un Pikmin, enfin c'était un mob assez chaud dans le 1. Alors par contre, la moitié de la journée déjà? Ah oui! On a rien branlé là. Attention hein, je sais pas où vous allez les gars là, mais ce combat là, y a du mob je crois. Hein. Enfin y'a le chien surtout. Où est-ce que vous allez? Putain. Elle va les repérer je pense. Attention! Sur le canapé et tout. Ah mais c'est dégueulasse effectivement là, sur le canapé il y a des trucs comme ça. C'est dégueulasse. Bizarre. Dégueulasse. Alors attends. Ah oui, attends. C'est pas fini hein. Ah oui, d'accord, donc sur le canapé, il y a des petites pépites d'or, d'accord, très bien. Il se met bien le mec, hein. Quand même. C'est dégueu le tiramisu. La vie désastreux. J'aime le tiramisu. Waouh. Putain. On parle du tiramisu dans le chat et maintenant on parle de je classe le constructeur. Sony en dessous de Nintendo et en dessous de Xbox. Ah j'aime tant cette cohérence de sujet dans ce chat, j'aime tant. Eh oh, oh, oh. Ah, attendez. C'est quand même bien dégueulasse hein. Ok, c'est bon, ils le prennent. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles faut faire attention? C'est un trésor cette merde là, non? Ça, c'est un trésor ça. Eh ouais. Alors par contre, j'ai vu qu'il y avait un autre truc là-bas. On peut passer en dessous. Il était là tout seul lui. Ah, un jeu Game Boy, attention, c'est quoi? J'arrive pas à voir. Alors là frérot, ça ne me dit rien. J'ai cru que c'était un Mega Man au début, mais ça m'aurait étonné. De la part de Nintendo. C'est un jeu Game Boy Advance. Ouais, c'est vraiment cool hein, d'aller dans une maison comme ça. C'est fort sympathique. Cette zone est vraiment immense. C'est chaud. Bon déjà il y a un trésor là-bas que je vois depuis un petit moment. Ce serait bien si on le récupère enfin. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que cette merde là encore? Mais vous êtes fous? Attention à vous.
C'est vraiment dégueulasse, hein, cette maison. Je sais pas si c'est la maison de qui, mais... C'est immonde! Oh non... Ouais, des éléphants miniatures en forme de cactus comme ça, là, j'ai pas ça chez moi non plus, hein, je vous rassure. Ah, regardez. Regardez le jouet là-bas sur le tabouret. Ça, c'est bien, ça. Tu t'assois dessus et tu te blesses. Bah, bravo. Bravo, le veau. C'est vraiment le bordel, hein, cette cuisine. Je vais tabasser l'araignée, moi. C'est un échec. Dans le 2, tu pouvais, même si elles étaient en hauteur. On est où, là? Où est-ce qu'on est, putain? Au secours. Ok, alors lui, il est pas activé. Bon. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Alors. Ah. T'as vu, les 5 pipines jaunes continuent à me créer des sprays. Hein. L'air de rien. Running around at the speed of sound. I just want to fuck you, mother in the... Pardon, mauvaise parole. C'est un petit peu emballé, là. C'est... En fait, c'était les paroles dans la première bêta. Mais ils l'ont annulé. Comment ça, 12 Pikmin rouge barré? Qu'est-ce que tu me chantes? Ouais, mauvaise chanson, excusez-moi. Je peux emballer là. Le ventilateur s'est mis en marche. Je peux ramasser les macarons, s'il te plaît, merci. Allez vite! Ah! Mais il nous attaque ce chien! Oh le bâtard! Ouais, d'accord, ok, d'accord. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Je vais le tuer. Il était méchant. Il est méchant. Je vais le taper. Ah non merde, on peut pas le charger du coup. Ah. Bon, bah j'aurais pas fait grand chose, hein. J'aurais vraiment pas fait grand chose sur cette run. Bon bah tant pis pour les Pikmin, hein. Ils vont crever. C'est lesquels qui vont crever? C'est ceux-là là? Ouais. Et bah adieu. Ah, il faut ban monsieur Okaribou Gamer de la chaîne, il aime pas Sonic, il a dit, on me le banne. Vous avez perdu 17 Pikmin au coucher du soleil, revenir en arrière. Je vais voir, 3 minutes plus tôt. Ah, tu sais quoi, on va l'utiliser. Bah ouais. Ton outil de cheaté, on va l'utiliser. Et en plus, ils te remettent les Pikmin avec toi. Ah oui. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non, on n'a pas tué 17 Pikmin, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Putain, j'ai vraiment pas avancé sur ce jour-là. Hein. Et voilà. C'est vraiment fumé. Hein. Tu reviens en arrière, tu récupères tes Pikmin, t'apprends pas par l'erreur. C'est triste, mais bon. On va pas se garder de l'utiliser, hein, s'ils l'ont mis disponible. J'ai dit que c'était mid, pas mauvais. Ah! C'est pas la même chose. Alors, vraie question au Caribou Gamer, vraie question.
T'as fait quel Sonic, juste par curiosité? Parce qu'effectivement, si t'as fait 2-3 Sonic en particulier, moi je peux comprendre son avis, sans qu'il ait fait les masterclass. Et c'est quoi alors ce jeu là? Quelqu'un le connaît? J'arrive pas à reconnaître. C'est un jeu qui est sorti qu'au Japon? J'arrive pas à reconnaître. Souvenir virevoltant, bouclier du météore, oiseau inestimable, ballon divin et pierre de promesse. Un Kirby? Ah bon? Non. Mais voilà, je suis d'accord avec lui, la franchise a de bons jeux, mais il y a tellement de jeux à chier dedans ou très moyens. C'est pour ça que je dis ça, hein. Globalement, la série Sonic, moi je l'aime bien, mais il y a tellement des jeux très moyens que... Il a fait Unleashed. Bah Unleashed, moi j'aime bien. J'aime bien Unleashed. Mais imagine un mec, je sais pas moi... Qui tombe... Ok, donc c'est ça les indices, c'est les cartes. Qui tombe sur un de mes lives et qui entend... Oh. Tous les Sonic 3D ne sont pas nuls, il a peut-être raison. Je vais m'y essayer. Tiens, je vais acheter Sonic Boom sur Wii U, Sonic and the Secret Rings, et Sonic le Chevalier Noir. Hmm? Testons ça. Il a eu tort, il m'a menti, c'est de la merde. Là, je peux comprendre que tu trouves Sonic pas ouf, si t'as fait cela, quoi. Sonic 2006? Tiens, ça m'intrigue, ça a l'air pas mal, ça. En plus, Sonic, il embrasse une humaine, cela m'intrigue. De nouvelles expériences? C'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Ah non, c'était de la merde. Je me suis fait baiser. Sonic 2006, je l'ai pas fait encore, moi. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Mais je reste persuadé que ça sera pas plus pourri que Sonic Boom. Très bien, Sonic Génération. Très bien. Très sympa. Même si ça se fait carry par effectivement le côté un peu nostalgique, fan service. Moi, j'ai bien aimé. C'était très sympa. Le bruit de l'horloge va bien là. C'est très long ces temps de chargement quand même, hein. C'est très très long. Bon. Est-ce qu'on pourrait tenter d'avancer un peu? Parce que là mec, c'est chaud. C'est vraiment dommage que tu puisses pas prendre plus de 3 variétés de Pikmin. Là, tu vois, j'aurais pris des violets ou des roses en plus, mais bon. Tant pis. Allez. On est à combien? 21%? Je veux 30% sur ce jour. 30%. Allez. Donc ça, on a compris. Donc ça, c'est le 4. Parce qu'on a ramassé la carte. Allez. Moi je veux ça, moi. Ah, le fameux Sonic Dream Collection dont on m'a tant parlé. Je ne l'ai pas fait celui-là encore. Allez, des petits trésors par-ci par-là, tu kiffes. Hop, hop. Des petits boutons. Non, non. Il m'a gelé les couilles, félicitations. Oh, stylé! Sympa ça! Ah, moyen intelligent en fait de te faire utiliser toutes les couleurs des Pikmin. Là, il faudra les bleus. Oh, mais comment ça, ils ont un problème? Ils se font buter par qui? Oh. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, faut recreuser! Ah, ça s'est reformé en fait. Eh ben putain, mon cochon. Pas très débrouillard ces Pikmin à la con, je te le dis.
Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Hormis les mobs, c'est ce que disait Olimar tout à l'heure, genre le truc du temps. Qu'est-ce qu'il disait? La gestion du temps n'est pas la même. En fait, tous les obstacles qu'on s'enlève, qu'on se supprime, reviennent d'un jour à l'autre. Comme si des humains, pendant la nuit, reconstruisaient ce qu'on a brisé. C'est beau. C'est beau. C'est beau et c'est chiant, hein. Un petit peu chiant, je t'avoue. Pas te mentir. Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais j'ai jamais voulu retourner là-dedans. Bande de cons. Alors déjà, on va faire un petit truc. Non mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Mais... Je vais le tuer ce chien. Cette chienne, je vais la tuer. Tu nous fais perdre du temps, tu comprends ça? Tu nous fais perdre du temps. Saligo. Ouais, j'ai entendu le chien aussi, ouais. Salaud. Alors, on va laisser le dogo ici. Tu vas rester là. Et nous, on va faire du slide. On va rider. Oh là 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 là, mais la maîtrise du gameplay. On a jamais vu ça, putain. Non, non, vise ça, voilà. Non, vise en bas, s'il te plaît. Merci. Et du coup, comme ça, les Pikmin pourront monter ici quand ils veulent, ok. Très bien. Arrête de me backseat, Colin. Colin me backseat. Salaud. Il manque des Pikmin jaunes. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils arrivent, ils sont là. Ils sont en train de se battre? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une baston? Ah non, je croyais qu'il y avait une baston. Techniquement, le jeu là, c'est pas un cambriolage simulator. Ah, un petit peu. En fait, la zone est tellement grande que j'arrive pas à avancer de manière optimale. Après bon, pas de limite de temps. Eh ouais, c'est vous qui foutez la merde. Eh ouais. Et du coup, les gars... On est obligé de faire un retour arrière pour vous déposer dans l'oignon. Vous êtes chiant. Vous êtes chiant, mes petits bonhommes. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les bleus, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Si on guesse le dernier chiffre du coffre-fort, tu nous offres un sub à ta chaîne. Perso, je parie sur le 2. Donc ça ferait 2-5-4. Perd pas le nord, lui. Perd pas le nord. Si c'est ça, je te banne pour backseat. À vie, Flox. À vie. Pars, Flox. Et ne reviens jamais. Mais j'aime bien cet esprit d'entreprise. J'aime... Mais putain, mais... Quoi?
On se fait les foncer. Ils se sont fait casser la gueule. Hein. J'ai mal. J'ai mal. Bon allez, on va faire ce qu'on a dit parce que... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, merde, j'avais oublié eux. J'ai failli partir sans... En m'en battant les couilles. Ah ouais, puis il y en a deux qui sont morts du coup. C'est une horreur. C'est une horreur. Le truc c'est que je pense que j'ai pas assez de Pikmin bleu pour les tomates. Combien de morts de Pikmin en tout? Alors là, je ne saurais te dire. Nous on n'est pas morts en tout cas pour le moment. On n'a pas eu de game over. Alors les tomates. T'imagines le mec qui rentre, il voit des... un chien miniature. Dans son évier. En fait, c'est pas très gentil, en fait. Parce que là, ça se trouve, si elle fait tremper ses tomates, la dame ou le monsieur, ça veut dire que là, ils vont cuisiner pour des invités et tout. Et là, on leur vole la bouffe. C'est pas gentil. C'est pas gentil. On n'est pas gentil. On n'est pas gentil. On est des petits saligots. Ok, il faudra le logo. En fait, tu peux pas... Tu peux pas te séparer du logo. Il est trop important, le bonhomme. Alors, par où tu passes, du coup, là? Ok, par là. Logique. Ce qu'il me faudrait aussi, c'est une base plus proche d'ici. Parce que là, c'est pas fou, en fait. Il doit y avoir une base pas loin. En fait, c'est ça la difficulté, c'est que les deux bases sont tout en bas. Donc quand tu vas du côté nord, si je puis dire, c'est la galère. Je vais explorer. Il faudrait que je puisse explorer, mais je peux pas passer encore. Bon, je vais voir s'il y a d'autres trucs en attendant. Digging, digging. Tu ne le sais pas, mais c'est le chien qui te dirige. Ah, moi, c'est ma théorie. Hein. Agent Raoul, c'est ma théorie. Donc ça, c'est la base, c'est la première base du jeu. On s'en fout. Ah, on est bloqué. Hein. Faudra que je monte avec le chien, finalement. Bah, il arrive, parfait. Heureusement que Moss lui fout la paix. Hein. Merci mon pote à la compote. On a terminé une nouvelle collection. Ok, nice. Quelque chose me dit qu'il va me falloir des Pikmin rouges. Bah, ce Pikmin 4 est très sympa pour le moment, écoutez, comme je vous disais juste avant. Fort sympathique. Ah, tout ça pour un œuf, tu te fous de ma gueule? Tu peux déçu là. Quelque chose me dit que je vais avoir besoin de mes Pikmin rouges. Pareil, celui-là, là, sur le canapé, comment on va faire pour l'atteindre? Ah, c'est ça, à tous les coups.
Ouais, tous les coups c'est la plateforme là. Vite! Je crois que c'est une calculatrice, si je dis pas de bêtises, attention. Ce qu'il y a sur le canapé. Eh mais putain, on est loin du 30%, c'est moi qui vous le dis. On n'est pas dans la merde. Jeu que je verrai jamais, Metroid Prime 4, Skyrim 2, GTA 7, Star Citizen, fini, et le Zelda Ultime. Bah comme je dis toujours, ne dites pas jamais, puisqu'il y a des gens qui disaient jamais pour Bayonetta 3 et Hollow Knight Silksong, et aujourd'hui ces mecs là on les entend plus trop. Ils ferment un peu leur gueule. Metroid Prime 4, patientez, c'est tout. Tant que les devs ont pas annoncé que qu'ils avaient annulé le jeu est toujours en développement. On disait la même chose, hein. Pour Bayonetta 3, je me rappelle, il y avait des gens qui disaient « ça sortira jamais, c'est mort ». Bizarrement, ces mecs-là, tu les vois plus. Skyrim 2 avant The Elder Scrolls 6. Mais Kalim, tu sais très bien que Skyrim 2 est Elder Scrolls 6. Tadam! En mode révélation. C'est pas worse en fait les Pikmin Rose. C'est pas worse parce qu'on en a pas beaucoup. Ouais. Si on a le temps, mais je ne pense pas, malheureusement. Je pense qu'on aura le temps de rien foutre. En fait, c'est ça qui est compliqué dans ce monde. Effectivement, c'est que les obstacles en fait reviennent à la normale chaque jour à cause de ces connards d'humains. The Elder Skyrim 2 même, tout à fait. Et voilà, Metroid Prime 4, il faut juste patienter, hein. C'est une question de temps, hein. Tant qu'ils ont pas annoncé qu'ils annulaient le développement, moi je pars du principe que ça va arriver, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Ah oui! Mauvaise idée. Ok, il doit y avoir un interrupteur pour le désactiver. Ça, c'est du savon. Bien joué. Ah putain, à tous les coups. Ouais. À tous les coups, il faut passer par là. Alors, comment on va y aller ? Un peu le level pour le prochain jour. Comment on va faire pour y aller là? Ah, il y a un bulborbe de glace, ça c'est nouveau ça. C'est nouveau. Bah putain, c'est compliqué d'avancer dans ce level. Hein. Salut Rems. Il n'y a pas de poussière sur les meubles, donc l'apocalypse est très récente. Très bonne analyse ça. Il a raison. Du mal à avancer dans ce level, hein. C'est compliqué. Oh non, ce serait bizarre qu'ils abandonnent Metroid Prime 4, je suis d'accord, hein, mais... Parce que c'est devenu un peu un mème de dire qu'il sortira jamais, mais c'était devenu un mème aussi de dire que Bayonetta 3 ne sortirait jamais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a aucune raison que Prime 4 sorte pas tant qu'ils n'ont pas annoncé que c'était annulé ou autre. On a eu un nouveau Half-Life et un Crash Bandicoot 4, à partir de là, tout est possible, hein. Lichien, mélangeur de nombres.
Pépite d'amour, emblème de la force, radeau d'observation. Ouais bon, passe de 21% à 26, on a fait un quart du level. C'est un mème aussi pour Xenoblade 3. Ah bon? Pour moi, il est sorti nulle part. C'était une bonne surprise, Xeno 3, mais... Salut, Eruga. Ah, peut-être le jeu que je veux le plus voir, Prime 4, depuis son annonce avec le prochain Zelda. Enfin, le prochain Zelda, du coup, le Zelda après Tears of the Kingdom. Je disais déjà ça hein, à l'époque de Breath of the Wild. Le Zelda que je veux... Enfin, l'un des jeux que je veux le plus voir, c'est le Zelda qui arrivera après cette génération. Sur quelle direction artistique ils vont partir. Oh putain, j'espère tellement pas que ça sera Breath of the Wild 3, par pitié. Pas ça! Pas ça, pitié! Non! Au secours! Alors pourquoi? Si encore, s'il faisait Breath of the Wild 3, si encore ça se passait ailleurs, pas sur la même map. Et tu sais, ils en seraient possibles, c'est con, hein. Enfin, ils en seraient capables, pardon, ils en seraient possibles. Ils en seraient capables, hein. Tu sais, le... Ça me fait un peu peur, hein, ce que j'ai dit, là, dans mon test en carton, où j'ai dit, pour rire, eh, les gars, ça sera la même map, mais on peut aller sous l'eau et dans l'espace. C'est... Ils en sont capables, hein. Non, non, là, il faut un autre Link. Il faut arrêter les conneries, on a eu 3 jeux dessus. C'est bon. Next. Frigo de l'enfer, l'entrée enflammée était si brûlante que je n'aurais jamais pu m'y aventurer sans mon parabrûlure. Mais la vraie surprise est que plus loin, la grotte est devenue glaciale comme l'intérieur d'une chambre froide. Espérons que les Pikmin rouges, Moss et moi, réussirons à supporter ça. Très bien. Ouais, 69 Pikmin rouges, vas-y. Pourquoi il n'y a pas de femme dans cette magnifique cuisine? Alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge, alerte rouge. J'appelle la police. Ah! Ah d'accord. Ok, alors un nouveau truc. Alors je sais pas pourquoi on parle de Mario Football Battle League. Tout ce que je peux dire, c'est que ça me donne moins envie de revoir certaines séries Nintendo. C'est tout ce que j'ai à dire, monsieur l'arbitre. Une gaufre liégeoise. Incroyable ça. D'accord, ça c'était moins croyable. On va sûrement falloir enflammer ces saloperies là. J'ai la dalle, ça y est, putain, ça donne faim. C'est une tuerie, ça. Salut Silverblade.
C'est une tuerie. Alors, est-ce qu'on peut interagir avec ça? Je crois pas, hein. Non, on ne peut pas. Je veux mes 30%. Je veux les 30% de ce level. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est en train d'enculer le mur. Un élève de Luigi. Il est complètement fou. Ça va pas la tête, il est con. Allez, ça, regarde ça. Regarde ça, ça, ça. Regarde ça, ça. Allez, dans ta gueule. Oh, il est pas content. Il fait les petits museaux. Alors je demande un truc, est-ce qu'il faut pas l'attirer? Est-ce qu'il faut pas l'attirer près de ces trucs pour qu'il les allume? Ou est-ce que les pigments rouges suffisent? Est-ce qu'il peut prendre la braise, les rouges? Je suis pas sûr, hein. Ah si, ils peuvent. Oh là là, le hub du Pikmin rouge, il sert à un truc maintenant, il peut cramer des choses. Ouais, Rift Apart, je compte le faire, ouais. Un jour ou l'autre. Sur PS5. Même si effectivement j'ai vu qu'il était sorti sur PC du coup. Ok, d'accord. Comme ça qu'on crame tout. Ah oui. Sympa la petite nouvelle petite idée de gameplay, ça rigole plus. Je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Ah, on a eu chaud là. Ok, c'est cramé. Viens mon pote à la compote. Oh mais la maîtrise du gameplay. Oh là 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 là. Mais moi j'ai plus donné de la tête. Hein. Rassure-vous, Savon, on aura bel et bien le tech sur Pikmin 4. Ah là 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 là. Ça va me faire culpabiliser. Pour l'instant, non, j'ai d'autres vidéos à faire. Après, je ne dis jamais jamais, j'adore Pikmin. J'aimerais bien un jour ou l'autre faire un tech sur un Pikmin. Voilà, déjà, on a des lives dessus, c'est cool. Peut-être un 100% même dessus. Mon pote à la compote, sans capote. Oh. Sympa cet ajout. Il est où le... Ah, il est là. C'est pas ouf comme nom, Chin, quand même, pour le logo. Hein. Franchement, c'est un de mes grands regrets, ça. C'est de pas lui avoir donné un autre nom. Je vais... À partir de là, Chin, je l'appelle Petit Cœur en Chocolat. Certains auront la ref. C'était mon canasson dans Horizon Zero Dawn. Tu vas t'appeler Petit Cœur en Chocolat maintenant. Voilà. C'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Ah, on pourrait l'appeler Axiul, c'est vrai. On va l'appeler Axiul en Chocolat. Allez, c'est décidé, le logo s'appellera Axiul en Chocolat. Axiul en Chocolat. Ouais, étalon du cul, mais bon, on a appelé trop de canassons étalon du cul, c'est le problème. Rien que dans Tears of the Kingdom, j'en ai appelé un étalon du cul. Donc, c'est toujours compliqué. C'est compliqué. Non, Axiul en Chocolat, j'aime bien. Étalon du derrière, ça aurait pu le faire. Tiens, je le garde celui-là, étalon du derrière. Je garde. C'est quoi le prochain jeu qu'on fait en live? Il y a Armored Core 6 qui arrive. Mais je pense qu'entre temps, on fera un autre jeu. Prochain jeu, si j'ai un canasson, je l'appellerai Étalon du derrière. Ça, c'est sympa, ça. Ok, là, il fait froid par contre.
Alors, est-ce que les Pikmin rouges sont glacés? Je suis pas sûr. Hein. Non. Ils peuvent défoncer les ennemis glacés. Ah merde! Oh là là, la synergie qu'on a, eux et moi. C'est fou! Bon, la mission, ça va être vraiment de dégeler tout ça. Ah, des Pikmin Rock, ça c'est bien ça. Par contre, les Pikmin Rock, on n'a pas encore... vu de mur en verre, genre. Qui pourrait casser les Pikmin Rock, si. Ah si, 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 là-bas, oui. On en a déjà vu des murs comme ça, j'ai rien dit. Ah, des Pikmin de glace, ça c'est bon ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Au Caribou Gamer qui a encore dit un avis qui est à l'encontre du reste du chat, c'est ça ? Ah, et TOTK, on dirait un gros DLC de Breath of the Wild. Ah, ça vous plaît pas, ça ? Ah, ça, ça vous plaît pas, ça. Et qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ça passe? Non, ils sont pas frigorifiés, c'est bon. Au Caribou FC, il a raison. Ouais, battez-vous. Alors, attention parce que là c'est le bordel. Attention. Attention à la moulinette. Feu! Damn, les dégâts! Il dort pas lui, c'est bon. Hein. Tiens, je vais essayer un petit quelque chose. Je vais essayer de lui jeter une braise de feu à ce monsieur là. Tiens, viens là toi. Ouais. Bon, ça a enlevé ses piques mais... La musique quand il y a un ennemi ça me détruit. Ça c'est comme ça depuis le 2. La musique qui se change. Une pomme. Manger des pommes. Toi tu vas rester là. Et nous on va s'occuper d'autre chose en attendant. Oh là, attention, alors lui il est de glace lui. Attention. Ok d'accord, j'ai compris, ça servira de passage. Par contre, il va nous casser les couilles lui là. Ok, si je peux bait. On connaît ses patterns. On connaît. Ah ! Merde. Le but du jeu dans Pikmin, gérer correctement tes unités selon les obstacles que tu rencontres. Genre les Pikmin rouges résistent au feu. Donc s'il y a du feu, tu prends les Pikmin rouges. Et le but, c'est de ramener le plus de trésors possible. En un certain temps, si tu veux vraiment optimiser ton temps. Vu que pour le coup, chaque partie a une durée. On va dire qu'un jour, ça fait quoi? Un jour, ça fait 20 minutes de jeu. Le but c'est de gagner.
c'est un petit peu réducteur. Voilà, c'est un peu plus que ça quand même. Alors... ça, ça sert un peu à rien. Ça sert un peu à rien de tout allumer. Le but c'est de trouver le Pikmin Fabio, le Pikmin ultime. Ah, on me l'avait caché ça. Ça on m'en avait pas informé. Petite pomme de pin là. Oh il est chaud hein. Ce Pikmin est un Tchad. Bon je pense que la pomme, ça sera le dernier trésor de l'étage si je dis pas de bêtises. On va voir. C'est vraiment un truc à acheter très, très rapidement, hein, le détecteur de trésors en haut à gauche. En gros, exploiter les autochtones pour exploiter les ressources de leur propre monde. C'est vrai. Mais après, ils le font de bon cœur, hein, pour rappel. Je ne suis pas un tyran. Hein. Frigo de l'enfer, le nom du truc, j'avais pas vu. Hein. Frigo de l'enfer, ça rigole plus. D'accord. Le frigo de l'enfer. Allez les gars. Allez hola olé, c'est le son de l'année. Ça dégage. Ouh, ça va mettre du temps. Ouh, ça va mettre du temps. Oh là là, ça va mettre du temps. What? Ah! D'accord, alors il y a un petit bâtard. Il y a un petit bâtard. C'est vrai, c'est toujours mieux que l'anus de Satan, ouais. Le frigo de l'enfer quand même, waouh. Damn. C'est bon, vous l'avez détruit, bien joué. Vous êtes les meilleurs, c'est très bien. L'anus de Satan. Tiens, on aurait eu un sub sur ça. Merci Kibas pour le 10e mois. L'anus. Oh non, mais casse-toi, personne ne t'aime. Chiant celui-là, hein. Éclaire-nous de ta lumière, Pikmin rouge. En tout cas, c'est toujours agréable à jouer, hein, vraiment. Toujours cool de jouer à Pikmin. Ça fait plaisir. Merde, y'a un Pikmin rouge qui est dedans. C'est fait défoncer le pauvre. T'es défoncé. Ok, il l'a. Ah, ça a pas marché? Non, ça n'a pas marché. Il est où Elle est où, Jeanne? Ça marche ou pas, ça? Non, ça ne marche pas. Ça ne fait pas fondre la glace. Bon. Ok, j'ai raté... j'ai dû rater un... Quoi, je viens de recongeler là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dû rater un truc de glace à enlever. Où est-ce qu'il est? Ah mais c'est peut-être lui à tous les coups, hein.
C'est peut-être lui. Est-ce qu'on a des bombes? Dis-moi que oui. J'en ai plus, va te faire foutre. Je suis déçu. Je suis très déçu. Alors là, mon bonhomme, je suis déçu. Ouais, c'est bien, ouais. Oh, mais c'est sympa, ça. On peut le défoncer, là. Alors, vite, revenez, par contre, parce que là... Voilà. Non, le chien. Non. Pas être con non plus. J'ai plus de Pikmin de glace, ça c'est dommage. Regardez mon gameplay. Dans ta gueule. Ça sera toujours plus utile. Bonjour, pourquoi il y a de la glace sur mon écran? Je crois pas que les autres aient ce problème. Reset, fait F5. Hé, je suis un petit marrant, moi. Ah bah c'est bon, merci. Ah, vous voyez? Un petit F5. Et ça repart, hein. Alors, on va pouvoir appuyer sur l'interrupteur. Ouais, mais aussi, tu es bête. Laissez-moi y aller seul. Voilà. Laissez-moi seul. Je suis un homme seul et ténébreux. Je suis Jean Aoul. Ok, parfait, on a tous les trésors de l'étage. C'est ça, hein? Ouais. On peut s'en aller. Putain, je repense au boss de tout à l'heure, il était vraiment cool, hein, quand même. J'espère qu'ils ont refait des boss comme ça originaux et un minimum dur, parce qu'il était vraiment cool. Ouais, ouais, on croise les bras, ouais. Appuyé contre un mur. Comme Vegeta ou Shadow. Attention, le boss. Oh, waouh. Oh no! Ta gueule. Non, récupère ça. Bien joué. Allez, ça dégage. Ah merde, il est encore glacé! Ah, il a éteint le feu! Oh le bâtard! Massacrez-lui sa gueule! Un point de vie, t'es sérieux? Oh non. Un point de vie, tu te fous de ma gueule? Allez, ça dégage. Ce tuto. Allez, on les banne. Trop facile, ce jeu.
Après, original. On n'avait jamais vu ce mob. Une sorte de Furby volant. Magnifique. Le petit piquet glace. Je me retire. Encore un feuillu, hein. Encore un feuillu à la con. Alors, rentrez-moi dans le cul, je vous dirai rien. Est-ce qu'il y a des explorations de nuit dans le quatrième monde? Ce serait marrant, ça. On croiserait peut-être les humains. Ce serait cursed quand même, hein, de croiser les humains dans un Pikmin. Mais il serait peut-être temps. Je sais pas, peut-être que ça désacraliserait le truc, je sais pas. Ouais, évidemment. Pikmin 4 dans ma liste de jeux difficiles à terminer. Entre Dark Souls 1 et Dark Souls 2, évidemment. Et nous avons 100% le frigo de l'enfer, de la muerte. Bon, ça, ça va sûrement nous faire dépasser 30% du quatrième monde, c'est cool. Épieux brise rock, ruche à pépins, grimacier aigri encore une fois, masse acide, gîte des insectes encore une fois, étoile de terre, pépite d'amourette, pseudo-poulpe encore, épée de héros, casse-tête alimentaire, trompe la langue encore une fois et coussin comestible. Je crois que dans le 2, il y avait beaucoup plus de trésors uniques, ça, ça me manque. Il y a beaucoup quand même de recyclage là. Attends, on a perdu 0 Pikmin ou j'ai rêvé? Incroyable! La merde d'Andy, ouais. Ouais, en mode furtif, ou genre, tu sais, t'es dans une sorte de cavité, tu vois juste les mains qui essayent de t'écraser. Et toi, tu défonces les mains, toi. Mais bon. En tout cas, le boss final du 2 était très cool.